Bonjour les amis. Et bonjour. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, regarde. Ah ben je l'ai filmé, je pense qu'on le verra. C'est magnifique. Waouh, c'est sublime. Bon bah voilà, encore un coup de génie, Ah, du bad boy de week-end. Attends, regarde. Quoi Ah là, bah voilà, et ben voilà. Il est là. Voilà. L'enfant de Détroit. Ah, c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Wow. Quelle merveille. Oh là là. Je pense que ça c'est un des beaux. Ouais ouais, c'est une arche là. Hein. Ouais. Bon bah je pense qu'on a trouvé la grotte. Tu vois ? Ah ouais. Ah ouais, il y a des petites... Waouh. C'est magnifique. Magnifique. Oh là là. Alors, qu'est-ce que tu en dis pour l'instant ? Eh ben, écoute, pour l'instant, c'est que du bonheur. Ouais, on va essayer. Allez, on va voir. Allez, on arrive à descendre. Ah, c'est fou, c'est impressionnant. Ah ouais, par contre, là, ça descend. Hein. Waouh. C'est bon ? Non. Tiens, donne. Merci. T'en prie. Regarde ça. Oh, magnifique. Magnifique. Incroyable. C'est fou. Hein. Bon, alors, tiens. Je tiens la cam le temps que... Allez.
Et là, c'est un peu casse-gueule. Moi, je pense qu'il doit y avoir une autre entrée là-bas, non? Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est magnifique! Pouh là là! Ah ah! Oh là 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 là! Quelle dinguerie! Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau! Pa, 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 pa. C'est juste un endroit exceptionnel, hein. Exceptionnel. Voilà, le charme du Var. Encore une fois, à frapper. Puis alors avec cette grotte troglodyte, c'est juste féerique. Ah. Eminem, j'arrive, c'est ça. Cascade, une petite cascade qui coule là derrière. Dommage qu'il essaie. Bon, ça c'est le courant qui a dû ramener quelques déchets. Effectivement, ça a l'air bien plus simple de rentrer par là. Oh là là. Oh là là. Eh ben ça, c'est une sacrée découverte. Hein ? C'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, putain. Et l'arche au fond, oh là là, c'est magnifique. On va essayer d'aller un peu plus loin. Hop. Oh là là là. Daniel, d'ici l'arche là, tu la vois, elle est trop belle.
Ouais. Incroyable. Un endroit insolite. Magnifique. La cascade au fond, l'arche. Les fonds sont juste la couleur de l'eau, la transparence, la clarté, la propreté, c'est dingue quoi. Ah, c'est vraiment, mais vraiment magique comme endroit. C'est impressionnant. Maintenant, on va aller visiter la grotte. Allez, direction la grotte. Hop là. Alors, il y a plein de signes. Donc, il suffira de signes. Donc, on sait que c'était une grotte en fait où c'est des chrétiens, c'est ça qui venait. Templiers, regarde. Ouais. Bon, bref. Comme disait Coluche, quand on sait pas, on ferme sa gueule. C'est vrai. Et voilà, la meilleure chose à faire encore. C'est fou, hein. Dingue. Hop là. Un coup de main? Non. C'est bon. Ah ben là, c'est à squatter hein, ici. Hein. Donc Thor est passé par là aussi. Et même le collège de, je sais pas quoi. Collège de, ouais. Villeneuve. Non, c'est quoi? Villeneuve, je sais pas. Petit escalier là. Ah oui. Ah. Je suis celui que je suis. C'est pas faux. Bon, ben voilà, magnifique, magnifique endroit. On va aussi sur la dernière vidéo qu'on a fait, la dernière sortie à Gourdon. Quand on est remonté dans la voiture, on est descendu, on s'est fait un face à face avec un cochon avec un cerf, alors un cerf ou un cerf et des biches juste sur la route devant nous. Ouais, magnifique, magnifique, improbable. Ouais. En plein dans un virage, on sort et là un cerf majestueux avec ses bichettes. Et c'était vraiment inattendu. Alors, y aurait-il du cannibale dans le coin? Waouh, 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 waouh.
Tu vois? Regarde. Joli, hein. C'est bien, il n'y a pas d'eau là. Ça nous arrange là. On est juste en face de la grotte. Voilà. Un autre point de vue sympatoche. C'est pire que ça. On dirait une oreille. Incroyable. L'oreille. Alors ah, pas bien là? Franchement, ouais, c'est beau. Encore un col magnifique à revenir. Ah ouais. Une propriété, même tous les rochers, la roche, ça fait du tuf. Du tuf, ouais. Du tuf. Ouais. Cet arbre qui a poussé dans la roche. Thank you.
Les sales gosses. On vous dit que c'est interdit d'aller jouer là-bas. Bon bah. Alors, je sais pas si c'est vraiment une grotte, hein, on verra bien. Hein. S'il faut, il n'y a rien du tout. Voilà, la fameuse petite grotte. Hein. Bon, c'est une petite grotte, mais... Voilà. De loin, ça avait l'air d'être assez, assez grand. Alors, je vais quand même rentrer dedans, histoire de dire qu'on n'ait pas fait ça pour rien. Je sais jamais, il y a peut-être un passage secret au bout. Sait-on jamais ? Eh bien non, pas de passage secret. Bon ben voilà. Là, je sais pas ce qu'il y a eu, c'est tout vert. C'est quoi de l'eau qui coule? De l'eau verte. Peut-être ils ont tué un alien. Un alien. C'est sympathique, hein. Des grandes cascades, mais c'est quand même Ouais, tiens, mais rien, on peut aller les voir là. Ça, ça doit continuer, non? Ce restaurant, c'est... Ah ouais, la grotte. C'est une grotte. L'intérieur, sinon, j'ai encore une grotte. T'as déjà été? Non. Ça a l'air fermé. C'est fermé. Hein. Je sais pas, normalement, si tu veux. Waouh, ça a l'air joli en bas, là. Donc ce restaurant, en fait, c'est dans une grotte. Apparemment, ah oui, là en dessous, là. Il doit être en dessous, je pense. Ah non, apparemment, je sais pas. Voilà le fameux pont himalayen. Bon, il est tout en métal, mais. Ouais. Il n'est pas fait dans la tradition, celui-là. Ouais, c'est bon. On peut y aller. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Ah non, exposition. Okay. Allez, c'est parti. Ouais, ça bouge un peu. Ah ouais, quand même. Ah, quand même. Ah ouais. Oh putain, si, ça bouge bien, ouais. Je sais pas si ça fait quand même. Ah ouais.
Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Chouette, hein. Bruit des oiseaux là, petit soleil. On est à hauteur d'arbre. Petite grotte là. Si ça intéresse quelqu'un, voilà. Non, ils sont pas si en plus mauvais état que ça. Hein. Il faut venir à Trans-en-Provence et vous pouvez vous servir. Elles sont à vous. Alors, là, nous nous trouvons à Trans-en-Provence, toujours. Et nous arrivons donc au puits aérien. Oui. Puits aérien. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc c'est monsieur Achille Knappen, ingénieur belge. Ingénieur belge, lauréat de la Société des ingénieurs civils de France, est très connu dans notre village pour avoir bâti une construction probablement unique en Europe et que l'on connaît sous le nom du puits aérien, puisque ce puits aérien devait fonctionner en fait la nuit. L'air froid pénètre dans les tubes métalliques centrales, il remonte ensuite par le vide annulaire qui entoure le tube, glisse le long de la masse externe en béton et sort par les orifices inférieurs de la cloche. Donc le jour, l'air pénètre par les orifices supérieurs et l'inverse, et logiquement il devait produire de l'eau. Incroyable. Ouais. Tout ce, voilà. Cette construction, c'est énorme. Hein. Ah, c'est... Je ne sais pas si on s'imagine... dans la vidéo, mais c'est énorme. Ça doit faire combien d'après toi? Ça doit bien faire. Je sais pas, mais si on se met à côté. Ça doit bien faire 3 étages, 3-4 étages. Là, on se met là. Voilà, donc hop. Bon. Et en fait. Ah, c'est. En fait, Achille Knappen, le fondateur, le voilà, créateur. Il a été très déçu parce qu'il ne recueillit que l'équivalent d'un seau par nuit. Ah. Mais quand même, ça fonctionnait un peu puisqu'il On a de quoi manger. Et se réchauffer. Donc ici, il faut... Ouais. Donc nous allons entrer dans la grotte. Ah, merde, il fallait peut-être prendre la lampe. Waouh, ah ouais. Ouais, chouette. Oh, ça résonne, ça ne résonne pas. Putain, c'est incroyable. Ah, bien. Ah, c'est fou ce... Donc il recueillit quand même un seau d'eau. Par quoi? Par jour. Par jour. Bon. Après il faut voir la taille du seau. Hein. Ouais. C'est toujours pareil. Hein. Et c'est assez beau. Hein. C'est rigolo. Comme construction. Ah, ouais. T'as vu une espèce d'ailette tout le... Ouais. Alors ça... Et donc, il comptait bien endiguer la sécheresse, faire l'alimentation en eau dans les pays désertiques. Mais bon, construire ça pour un seau d'eau, c'est beaucoup de boulot, quoi. Avant de faire pousser des tomates, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Bon, ben voilà. Mais c'est chouette, hein. Ouais. Là, c'est tranchant, là, ce truc-là. Eh ben ouais, bah écoute, hein. Voilà. On va faire le tour d'extérieur. Le puits aérien de Trans-en-Provence. Voilà. Donc, 12 mètres de hauteur. Oui, 12 mètres de hauteur. Ah ouais.
Ça sent méga, méga bon. Magnifique. Waouh. Magnifique. Une journée magnifique, une journée ensoleillée dans les vignes, regardez ça, qui s'achève. Donc nous avons vu la dernière cascade, c'est le saut du Caplan. Il est très très joli. Donc vous avez vu, elle est quand même un peu perdue au milieu de nulle part. Il faut le savoir qu'elle est là. Daniel. Une journée bien remplie, oui. Oui. Petite question. Oui. Les gens, s'ils veulent s'abonner. Ah ben, c'est là. C'est là. Et la cloche.
Là. Non, c'est l'autre côté. Non, non, c'est là, c'est là. Là, la là. Tu verras bien. Tu verras. Là, ça y est. Ça y est. Mais là, à chaque fois, tu me dis ça y est. Non. J'ai passé un concours. Et j'ai réussi. T'as trouvé un tuto sur YouTube. Non, j'ai pris des cours. J'ai pris des cours. Il est en train de. Un tracteur. On dirait, mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Bon, ben voilà, donc très belle journée. Donc, vous voyez, dans la vidéo, la dernière vidéo, on vous avait dit que. On vous l'avait dit. Hein, que sans. On vous avait dit, attention, la prochaine vidéo va envoyer du pâté. Voilà, eh ben voilà, promesse tenue. Donc, eh bien, écoutez, je sais pas à quand. Hein, là, ça va être les fêtes. Peut-être la semaine prochaine, peut-être pas, je ne sais pas. C'est là? Non. On verra bien. Les amis, à bientôt. Ciao. Bye bye.